Christophe Henry, je suis directeur d'un centre communal d'action sociale à Eysines. Je pense que c'est en 1976. J'ai commencé dans la section hand en étant co-coach. C'est-à-dire qu'avec mon complice Stéphane Tarade, on coachait l'équipe première du hand une fois que j'ai arrêté ma carrière de joueur. J'ai arrêté avec le hand en 2014 ou 2015, juste avant d'intégrer en fait le bureau directeur de l'ASA. Mon rôle, je suis vice-président, donc je n'ai pas de charge précise si ce n'est de seconder la présidente. Voilà. En fait, c'est une forme de partage. Et puis ensuite, c'est redonner aussi ce qu'ont donné les plus anciens pour que je puisse pratiquer mes activités préférées. Bon, pour moi, c'est une continuité de ce que je fais par ailleurs, puisque j'ai aussi d'autres activités en dehors de la profession, puisque je suis aussi adjoint au maire dans ma petite commune de 400 habitants. Alors là, c'était les déplacements dans les Pyrénées en bus avec l'équipe de hand quand on coachait l'équipe première pour des matchs en régional. L'ASA, c'est pour moi, enfin, puisque je suis là depuis 1976, pour moi, ça fait. C'est une grande partie de moi-même. Ça représente toutes les valeurs du sport. Pour moi, le partage, le respect, la solidarité, etc.